Il fera des grandes choses.
Que son nom soit béni. Nous allons prendre rapidement nos textes. Nous venons en Corinthiens chapitre 10. Verset 17. À partir du verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez. Non, ce que vous vous ensemblez aux amis. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pire. Et d'abord, soyez concentré. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Non, je le crois en partie. Dans ce qui m'a dit, moi, je suis un peu plus de temps. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car on se met, quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Traduit lentement. L'un a faim, Moko, l'autre, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Où méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Soubert, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ces pains, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup de filles et de malades.
Colo. Donc, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement contre vous. Je réglerai les autres affaires quand je serai arrivé. Acte des Apôtres, chapitre 2. Acte des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 41 jusqu'au verset 47, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Oui, capitre. Dans l'enseignement des apôtres. La célébration de la Sainte Cène. Ostogobol, ça là,
Les écritures que nous venons de lire. L'église doit aussi commencer à célébrer la Sainte Cène. C'est la vie de l'église. Le Seigneur dit, ici j'attaque directement la prédication. L'enseignement que nous avons. Ici, Paul est en train de dire. Il avait reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné aux frères de Corinthe. Et que dans la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il avait rempli le pain. Et leur a dit, ceci est mon corps. Et après le souper, il prit aussi la coupe de vin. Il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Il dit, buvez-en. Et il dit, toutes les fois que vous le ferez, vous serez en train d'annoncer ma mort. Jusqu'à ce que je vienne. Amen. Lorsqu'on prêche ces choses, ce n'est pas des choses qui sont descendues directement comme ça. Non. Quoique Paul avait eu la révélation, mais ce sont des choses qui avaient déjà leur ombre dans la loi de Moïse. Vous allez remarquer ceci. Le Seigneur dit à chaque fois qu'ils vont célébrer la Sainte-Cène, ils seront en train d'annoncer sa mort. Amen. Nous savons que le Seigneur est mort une seule fois. Amen. Le Seigneur est mort une seule fois. Mais la Sainte-Cène vient après pour rappeler l'œuvre de la croix. La mort de la croix, c'était pour les péchés du peuple. La mort de la croix, c'était notre expiation. Il y a Isaac, vous les trompez.
sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau. Et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Les poteaux sera venu, papa est télé. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra les anges sur les linteaux, et sur le poteau, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous. Observez que tu as la a été immolé.
Là, dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. C'est là que dit comme Christ est notre Pâque. Nous devons voir aussi les visages sacrés de cette Pâque dans la vie de l'Église. Maintenant, cet usage-là sacré, en souvenir de la Pâque que Christ lui-même a accompli, c'est ça la sainte scène. C'est ça le repas du Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui avait mis la croix devant sa voiture. On peut déjà mettre aussi la croix dans leur maison. Si vous voulez en poser des questions, pourquoi vous avez mis ce morceau de bois dans les maisons? Ou bien à l'église, ou bien devant la chair. Le Seigneur avait fait la main de rompre le pain. Et il va la montagne, c'est que la cour a sali pour la rompre.
C'est pourquoi toute cette cérémonie là on appelle aussi cérémonie pour rompre les pains. Et c'est ce que Paul aussi avait fait avec les frères. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 17, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Ils sont dit c'était réuni pour rompre les pains. Ce n'est pas les repas ordinaires. Non, c'était les repas du Seigneur. Ils étaient réunis pour ça. C'était la vie des apôtres. Parce qu'ils ne pouvaient jamais s'imaginer qu'ils pouvaient rester comme ça 5 ans.
histoire. Parce que c'est une pratique pour se souvenir de la mort du Seigneur. Les choses que nous prêchons, ce n'est pas seulement pour que ça puisse rester des simples connaissances en nous. Laissez les gens, on est sur contrôle. On est là avec au Kenya, là,
toi. Tu vas faire les contrôles, l'examen de ta maison. C'est pourquoi même la Pâque, on l'a mangée avec les pères sans les mains. Pour montrer qu'on célèbre la Sainte avec la pureté. Aujourd'hui, dans les églises, pour célébrer la Sainte, il faut d'abord entrer beaucoup dans les prières. Les amis convoquent la retraite. Retraite de trois jours. Ils ont fini comme ça 21 jours. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on célèbre la Sainte, on doit préparer le peuple. Donc c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais ça va, ça doit commencer à aller de soi. La Pâque, la Pâque, c'est un
Et tu dois être joyeux. Mais c'est que l'on a un symbole. Ça ne peut pas être un sujet de tristesse. Tu es dans les péchés, viens seulement confesser. Ne prends pas mille chemins, viens confesser. L'indépendance, c'est le chemin obligé pour celui qui est dans les péchés. Tu es dans les impudicités. Viens confesser. Tu es dans la masturbation. Mais nous, comme le Seigneur est en train de nous faire grâce,
Les rois et fils de Dieu, le peuple aussi est fils de Dieu.
Dans la Bible, dans la doctrine, les ministres de la parole sont aussi des rois. Et vous qui êtes là, vous êtes le peuple de Dieu. On doit bien lire la Bible pour que nous ne soyons pas des sorciers. Personne ne va nous arrêter.
les gens. Nous verrons seulement ce que nous restions fidèles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous allons baisser la tête pour la prière. Et vous avec une douleur qui se prend dans le sang. Remercie d'abord le Seigneur pour la prédication. Que le Seigneur soit béni pour la prédication de ce soir. Et on va nous entonner le cantique à la croix pour mourir mon sauveur. J'ai crié, j'ai prié pour être purifié. Et là, le sang fut appliqué à ma vie. Et gloire à son nom. Et quel prie le Seigneur, remercie-le pour le Seigneur. Onde la colo pour la finalité. Ton donné. Merci Seigneur Jésus. Ton Dieu pour le Tu m'y connais, Sabez pour la colo, Salina. Mon idée la divise à mi. Et de l'autre, la grâce soloya. Et de voir que c'est la vie de la colo. Y a mis en sa mère sanctifiée, à fond mon tema.